Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec deux grands artistes et une collaboration entre elles deux avec le single Hayley, j'ai nommé Lee Hee et également le chanteur vétéran de ballade Song Si Kyung. Désolée si je prononce très mal leur nom, mais vous avez l'habitude. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Mélimélo. Roulement de tambour. J'ai envie de vous dire générique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé relativement une bonne journée. Moi, ma météo du jour est relativement bonne, très fatiguée car encore une nuit compliquée, mais dans l'ensemble, on va dire que c'est potable et que ça va aller. Tergiversons pas plus, mettons-nous dans l'axe et let's go donc pour le retour de Lee Hee. Je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo parce que j'avais pas envie de me spoiler. En général, j'aime beaucoup ce qu'elle fait depuis ses débuts avant Lee Hee. Franchement, elle a une sensibilité et une émotion à chaque fois qui transparaît dans ses chansons. Elle peut faire un peu toutes sortes aussi. J'aime beaucoup parce qu'elle a un spectre musical très large. Là, à mon avis, on va avoir une belle balade de Noël. J'ai très hâte. C'est comme un mini-drama en fait. Le flashback de son passé avec un homme, un jeune homme. D'accord, elle a eu de la fièvre peut-être, elle est tombée dans la rue, elle reste là et elle se remémore tous ses souvenirs d'adolescent. Elle a un enfant. Est-ce qu'il y aurait de la violence conjugale ou des choses comme ça? On montre toutes les saisons aussi.
c'est un vrai fit parce que les paroles sont bien partagées, je trouve, donc c'est agréable. Je pense qu'elle croit que c'est son fils, mais c'est pas son fils. Son fils serait plus de ce monde. Il souviendrait toujours de toi. Alors franchement, on a une très 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 belle ballade. Leurs deux voix sont juste magnifiques, combinent très bien. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment un fit de chez fit. C'est pas juste Lee et notre cher vétéran de ballade qui a juste quelques paroles par-ci par-là. Donc ça, j'aime beaucoup. On a une chanson dans toute son émotion. On a une vie qui est assez émotionnelle. On suit les bons comme les mauvais moments, souvenirs, même des souvenirs d'une femme qu'elle a eu dans cette vieille rue, que ce soit avec un petit ami quand elle était adolescente, avec son fils à tout âge, donc bébé, puis jeune enfant, puis adolescent, puis lycéen, etc. Franchement, on a une collaboration hyper touchante et le MV est super joli mais triste quand même à la fois. On dirait que vers la fin ça se termine plus ou moins bien, mais vraiment une très très belle ballade hivernale dans toute son émotion. Au niveau du visuel de la jaquette, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, pas de version instrumentale, et vous avez vraiment cette ruelle avec des maisons enneigées, cette période d'hiver et deux renards, peut-être les deux renards signifie peut-être nos deux artistes, ou peut-être la relation de la maman et de son fils, point de vue du MV, enfin je ne sais pas. En tout cas, les paroles étaient aussi très très touchantes. Et vous mes chers minuino, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette nouvelle balade de Lee, mais surtout sa magnifique collaboration avec un chanteur de balade qui est très vétéran en Corée. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Nara.